Coucou, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je vais vous présenter mes fabuleux coloriages qui coûtent 8,90 €. C'est un livre que vous ne verrez pas dans ma collection, de livres, puisque je l'avais acheté il y a déjà longtemps. Et c'est un livre qui finalement me plaisait pas une fois que je l'ai reçu et je l'avais conservé. Donc là, je l'ai offert à ma fille qui est fan de coloriage, elle a 5 ans. Et du coup, je lui ai offert et elle a hâte de le commencer. Donc, je voulais, avant qu'elle le commence, vous le présenter pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est. Alors, j'adorais la couverture, les petits dessins, tout ça. Je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Et en fait, ce qui m'a déplu, de toute façon, on va le voir tout de suite. Oui, même la page là, je la trouve superbe. Voilà, ce qui m'a déplu, c'est ça. C'est que, en fait, ce n'est pas vraiment des coloriages à faire, c'est des coloriages à compléter. Et moi, je suis pas fan du tout de ce type de coloriage. Mais bon, pour les enfants, je trouve que ça peut être plutôt sympa, quoi. Après, les dessins, je les trouve vraiment encore, comme je disais au début, très sympathiques, hein. Je le trouve sympathique, mais moi, je me vois pas colorier dedans. Vous voyez, par exemple, ça c'est typique. Ils vous font la moitié du coloriage, enfin la moitié du papillon là. Pour retrouver les mêmes couleurs, enfin moi je me vois mal faire un papillon avec ses deux ailes totalement différentes. Donc pour retrouver les mêmes couleurs, ça va être très compliqué. Enfin pour moi. Après ma fille, je pense que les couleurs, elle aime bien que ce soit multicolore et elle s'en fiche un peu elle de la symétrie de la chose. Mais bon moi ça m'aurait embêté, ça m'aurait pas plu. Après bon comme là où les dessins sont, vous voyez c'est des dessins entiers qui sont coloriés, même là, c'est pas gênant, enfin, c'est pas trop gênant. Mais voilà, moi ça m'embête. Comme là, ici, le vert, aller retrouver les mêmes teintes sur les côtés, quoi. Voilà, c'est ça qui me déplaît dans ce type de livre. Après, comme je vous dis, je trouve les dessins très jolis, très bien faits, il est très sympa, il y a beaucoup de thèmes différents. Vous en avez avec des petits détails, d'autres avec moins de détails. Enfin, il est vraiment sympa. Maintenant, celui-là, ma fille, quand elle l'a regardé, elle dit, oh, j'aime pas, c'est trop marron. Voilà, donc maintenant, ça m'embête vraiment pour moi, personnellement. Après, chacun ses goûts, hein, les goûts, les couleurs, voilà. Mais sinon, je trouve ça dommage parce que s'il n'y avait pas eu de couleur dans ce livre, je l'aurais vraiment adoré et je pense qu'il aurait fait partie des premiers que j'aurais fait. Voilà. Bon, après, maintenant, c'est des. Quand je l'ai eu, c'est vrai que j'avais pas trop de livres, j'avais pas trop de choix. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de types enfin, dans les livres de coloriage que j'ai, on retrouve des dessins du même type. Beaucoup de dessins du même type. Donc maintenant j'ai ce qu'il faut pour me rattraper. Au départ je l'avais mis de côté pour le revendre vu que je l'avais acheté un petit peu. Enfin je l'avais acheté à une dame neuf, mais du coup c'est pas vraiment neuf quoi. Donc voilà. Alors là, ma fille m'embête pour faire une vidéo avec moi. Et là, je lui avais proposé de vous le présenter avec elle ce midi, mais elle était tellement fatiguée. Elle a que 5 ans, comme je vous disais tout à l'heure, donc ça a été un peu compliqué, donc je ne l'ai pas fait faire. Là, je l'ai fait là ce soir parce que elle était très motivée à le colorier. Et donc je lui ai dit qu'on allait faire la vidéo avant qu'elle le colorie et une vidéo quand elle l'aurait fini. Donc elle a vraiment hâte de vous présenter des choses elle aussi. Elle a d'ailleurs commencé un petit livre de chez Wish là que je vous avais fait voir que j'avais reçu. Je trouvais qu'au niveau de la qualité ça c'était pas terrible. Donc je l'ai donné à ma fille. Elle a commencé à le colorier. Je lui ai même fait faire. Elle avait fait un fond uni tout orange et je lui ai même fait faire passer de l'essence sans odeur. Elle a adoré faire l'essence sans odeur au coton-tige. Donc je pense qu'elle va vraiment s'y mettre pour pouvoir participer à la chaîne en fait. Je pense qu'elle adorerait avoir des commentaires. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais également vous dire, là on est sur. Enfin tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait 99 abonnés sur la chaîne. Je voulais
vous prévenir qu'à la centième abonnée, à partir de la centième abonnée, la prochaine vidéo que je ferai, j'organiserai un petit concours pour vous remercier d'être là, pour vous remercier d'être présente sur ma chaîne. Donc je mettrai en cadeau soit un magazine ou un livre que j'ai à la maison. Je pense que je mettrai un magazine que j'avais acheté en double. Je m'étais trompée, je l'avais acheté en double. Donc je pense que je mettrai un petit magazine et peut-être quelques crayons gel, on verra bien. Donc voilà, donc on verra ça très bientôt, puisque je pense qu'une abonnée, ça devrait venir assez vite, hein, j'espère. Hein. Bon, allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'être là.